Les amis, ici Flo Jumper, le pilote rebelle. Je vous retrouve aujourd'hui avec Fionita. Bonjour Fionita. Hello. Comment ça va? Ça va. Ça va, tranquille, tu es prête pour ta mission? Oui. Vous avez vu, hein, ça commence fort, car les amis, aujourd'hui, nous faisons déjà d'une partie de la rébellion. Vous l'avez peut-être pas compris, comme vous le voyez effectivement, il y a le vaisseau de Fionita qui est là-bas et le mien qui est là. Hein, et nous nous retrouvons aujourd'hui pour un Lucky Block Challenge spécial Star Wars. Ouais. Voilà, ah, ça commence fort, ça commence très fort. Et oui, c'est la grosse surprise aujourd'hui, bien sûr. Vous n'étiez pas au courant normalement, hein, vous avez vu toutes les vidéos. Vous avez dit, oh, bah, comment ça se fait? Ah, il n'y a pas de Lucky Block, ça fait un moment. Et bien alors voilà, c'est le retour et c'est votre grande surprise. Surprise d'aujourd'hui, les amis, on espère que ça vous fait super plaisir qu'on fasse tout simplement, et bien écoutez, une nouvelle vidéo Lucky Block Challenge. Alors, le problème, oui, parce qu'il y en a un, bien sûr, vous l'avez remarqué, regardez, on n'est pas à côté de l'arène, rien du tout. Alors, nous avons été envoyés par la rébellion, et grâce surtout à la rébellion qui nous a prêté, bien sûr, ces gentils petits X-Wing qui sont là. Ah, d'ailleurs, il va falloir que je leur explique que moi, bah écoutez, j'ai confondu la manette du haut pour aller vers le bas, enfin, du bas vers le haut, hein, donc j'ai terminé dans un marécage, voilà. Et les amis, l'heure est grave. La rébellion, elle, tranquille, n'a rien demandé à personne. En revanche, l'Empire a pris possession de notre arène. Et du coup, ben, on peut pas vraiment faire de Lucky Block. Hein. Donc, ben, le but, ça va être bien sûr de péter des Lucky Blocks, nommés des Lucky Blocks Darkseid. Hein, c'est marrant, t'as vu Darkseid à côté obscur, tu vois Star Wars, hein, t'as compris. Hein, pour pouvoir affronter le site qui a envahi notre arène. Le site qu'on nomme le fantôme. Voilà, en vrai, j'ai une belle tête, hein, quand même, j'ai une belle tête. On est d'accord, regardez ce casque me va à merveille. Regarde ça, ce sourire, hein, qui brille. Je me brosse les dents tous les jours, je dirais même toutes les heures. Voilà, donc, alors, je m'en vais ce... Alors, ce qui est marrant, c'est que Fionita, elle aussi, elle a la combinaison, bien sûr, hein, des pilotes rebelles, mais on dirait que ça s'est fusionné tout simplement avec sa tête. Hein, c'est, regardez, elle a le devant de Fionita, hein, au niveau de sa tête, ouais, désolé, c'est un peu perturbant pour toi parce qu'on te regarde. Et elle a le casque derrière. Voilà, donc essaye d'enlever le casque pour voir. Est-ce que tu peux l'enlever? Est-ce que tu pourrais enlever ce casque? Oui, R2, on arrive. Attends deux minutes, voilà. Et voilà. Ah, tu l'as enlevé? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Voilà, on y voit du feu. Ah, donc au final, ce casque qui protège que l'arrière du crâne, hein, c'est complètement what the fuck, quoi. Oui, donc, voilà. Fionita, est-ce que tu es prête pour ta première mission? Oui. Allez, c'est parti. Parce qu'il faut qu'on aille sauver Bob et Maurice et qu'on sauve le Lucky Block Challenge. Et qu'on on va essayer, on va sortir R2-D2 de là parce que le pauvre, il en a marre, il est enfermé, il veut vivre paisiblement sa vie, je le comprends. Vas-y, tiens R2, tu peux te balader sur la planète du Lucky Block Challenge. Voilà, rien n'est heureux. Voilà, merci R2. Bon, allez, vas-y, allez, tu surveilles les vaisseaux R2, ok. Donc, alors, ce que j'ai pu observer, parce que ça fait un moment que je suis arrivé, bon, je suis arrivé un peu vite, mais bon, l'inconvénient, c'est que du coup, je me suis crash du coup. Bon, on a rien vu, hein, tu diras rien aux rebelles, hein, s'il te plaît. Non. J'ai bien envie qu'ils aient toujours confiance en nous, hein, surtout que visiter toutes les autres planètes comme ça dans la galaxie, ça fait plaisir. J'ai remarqué qu'il y avait un poste avancé, mais il a l'air abandonné. Tu vois, alors on devrait. J'ai carrément été dans l'eau, hein. Ouais, non, mais t'as, bah, c'est ce que j'ai fait aussi, hein. J'ai trempé les pieds, hein. De toute façon, moi, j'étais complètement mouillé, hein. D'ailleurs, bon, je vais juste, bon, remettre le casque quand même, on sait jamais, pour pouvoir justement prendre ces motos. Vas-y, waouh, attention, voilà, doucement. Est-ce que tu saurais t'en servir? Ouh. Ça va partir en Stormtrooper. Waouh, doucement. Ok, vas-y, viens, suis-moi. Fionita, je suis derrière. Ça se pilote, c'est facile. Regarde, c'est génial. Voilà, doucement. Oh, ah, j'ai failli finir dans la flotte. Attention, au final, c'est moi qui est moins maniable au niveau des trucs. Tu me suis toujours? C'est bon, oui, ok. Ok, dis-donc, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour participer au Lucky Block Chain? C'est bon. Ah non, arrête! Arrête, tu m'as fait mal. Tu peux descendre. Doucement. On t'a rien appris à l'académie, c'est pas possible. Est-ce que tu peux descendre? Non, tu veux rester sur la moto, c'est ça. Non, c'est le jet. Ok, attends, mets-toi à couper. Non, non, tu n'es pas discrète, la Fionita. Je vois que. Il y a des Stormtroopers. Il y a aussi des TIE. Ok, enfin, les TIE, si vous préférez, quoi. Ok, bon, allez, on y va, on va passer par là. Voilà, donc, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait avoir entendu. L'Empire a pris possession de la reine. Oh, c'est pas bon, ça. Alors, on va essayer de contourner. Doucement, la vache, pas de bruit, s'il te plaît. Mais pourquoi il capture notre arène? Je comprends pas. Quel est l'intérêt de voler cette arène? On est d'accord. Ted est en vie. Ted est là. Bonjour Ted. Comment ça va? Tranquille. Bon. Voilà, ça a l'air d'aller. Vas-y, Fionita, ramène-toi, c'est bon. J'ai l'impression qu'en fait, regarde, attends, viens voir. Regarde. Non mais sans déconner, tu vas te marrer. Regarde, en fait, c'est un leurre. Regarde, ce n'est même pas des vrais Stormtroopers. Regarde, c'est seulement des bouts de carton, tu vois. C'est... Voilà, donc en fait, t'as vu, j'ai cru que c'était des vrais. Hein. Ouais, le mec qui dit ça, mais en fait, c'est lui qui a préparé tout ça, tu vois. Voilà, donc, les amis, comme vous le voyez, donc, on a effectivement le vaisseau, hein, du fameux Ghost, hein, donc le fantôme, le Sith, hein, bien sûr, qui s'est emparé de l'arène. Cependant, avant de rentrer dans l'arène, pour affronter ce Sith, il va falloir qu'on s'équipe. J'ai pris des dégâts. Attends, qui oui, se... Ah, il y a quelque chose qui me tape.
Qu'est-ce que c'est? J'ai pas vu. Oh non, il y a un droïde. Il y a un droïde. Je vais le tuer. Attends, tu crois que si je peux prendre... Attends, je vais le tuer. C'est bon, c'est bon. Une cuisse de poulet. C'est bon, je l'ai eu. C'est bon, t'inquiète pas, Julita. Attention à toi. Fais gaffe. Non, je déconne, je déconne. Ah, ça par contre, non. Ça c'est pas mal. Ah, je m'en fais tirer dessus. Qu'est-ce qu'il vient de me faire? Qui vient de me faire mal? Est-ce que ça serait pas Bob et Maurice? Et il serait passé du côté obscur, tu crois? Je ne sais pas, mais en tout cas, oh, j'ai ma cape, c'est complètement le pins aujourd'hui, c'est un délire. Voilà, bon, ça y est, maintenant qu'on est arrivé là, on va pouvoir, comme d'habitude. Oh, il faut pas. Ah, d'accord, en fait, ils nous font mal quand on les touche. D'accord, je comprends mieux pourquoi. On va éviter de traîner trop leurs pattes, c'est le cas de le dire. Donc, tu as libéré Ted? D'accord, non, bah c'est bien, écoute, j'ai envie de dire pour... Non, j'ai pas libéré. Ah j'ai cru, autant pour moi, bon tu me diras, t'as raison. Non, j'ai pas touché. Alors attends, avant toute chose, avant d'ouvrir Lucky Black, Chionita, on va aller voir quand même si Bob et Maurice vont bien. Non mais attends, ça a l'air d'un... Oh, ils ont été vraiment enfermés, effectivement. De quoi, qu'est-ce qu'il y a? Quand tu passes en dessous, ils te font mal, en fait. Ouais, bah ouais, j'ai remarqué ça, il faut éviter de traîner entre leurs pattes. Alors voyons un petit peu ce que Bob et Maurice proposent. Même s'ils sont, ils sont enfermés, malheureusement, je pense qu'il y a moyen qu'ils nous aident. Bon, ils sont... Ah non, mais ils sont pas sympas, on vient les libérer. Il faut quand même qu'on leur donne des diamants pour s'armer avec des sabres laser, quoi. Bon, d'accord, ouais. Pas de problème, hein, c'est pour leur bon plaisir. Alors, ils nous échangent pas mal de choses. Par contre, apparemment, Bob, il me disait qu'effectivement, il fallait servir directement dans les coffres. Bon, en vrai, je pourrais me servir directement, mais bon. Alors, on va la jouer réglo, c'est-à-dire qu'on le fera avec les Lucky Blocks et avec le diamant qu'on obtiendra. Et ensuite, on a Maurice, alors qu'il nous échange, du coup, une selle contre 4 diamants, c'est pas mal. Une étoile laser contre 8 diamants. Un bloc de redstone, tiens, contre 8 diamants. Un coffre d'idéal contre 8 diamants. Et un diamant contre une pomme dorée. Et dis la godeur contre une pomme dorée. Dis donc, ça fait beaucoup de diamants tout ça. Donc, Violita, est-ce que tu es prête à ouvrir les fameux Lucky Blocks du côté obscur? Oui. Et bah c'est parti. Alors voyons voir un petit peu. Donc, alors, on a récupéré des vieux Lucky Blocks, tu vois. Alors on a 20 Lucky Blocks. Ensuite, comme d'habitude, les 5 Lucky Blocks, la table de craft, la pioche et des pommes. Et en plus, t'as vu aujourd'hui en bonus, on a du poulet rôti en supplément. C'est gratuit, donc ça fait plaisir. Et ah oui, mon compteur démarre a disparu, mais c'est pas grave. On comptera bien sûr, hein, normalement, parce que je l'ai fait disparaître, hein, tu vois. Ah non, parce que je sais bien qu'on va encore être perturbé. Pas du côté obscur et pas à cause de la force non plus, mais surtout perturbé à cause du truc. Ok, les amis, c'est bon, nous sommes donc prêt. Chelita, est-ce que tu es prête? Oui. C'est parti. Alors donc, les amis, avant toute chose, avant de péter le Lucky Block, je vais vous dire qu'effectivement aujourd'hui vous allez avoir 3 vidéos, bien sûr, vous en doutez, hein, vous avez vu normalement Hello Neighbor, hein, bien sûr, qui sont juste avant. Et je me suis dit, bah écoutez, on va pas enlever Hello Neighbor parce que je sais que vous aimez énormément cette série Hello Neighbor. Et bah je me suis dit, bah tiens, pour le coup, je vous offre le Lucky Block en plus. Lucky Block Challenge, bien entendu, voilà. Donc, parce que le Lucky Block, quand vous en offrir, je vous en offrir, hein, dans cette game, tu vois. Donc voilà, donc, et bah écoute, Chanita, à toi de commencer. On va commencer par Leon Lucky, t'es d'accord? Oui. Et bah c'est parti, vas-y, pète. Vas-y, pète. Ah, ça commence bien. Ah, d'accord. Ah, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Oh, tiens, t'es même pas morte. Eh non. Wouah, mais comment. Ok, à mon tour. Ah, bon, bah, d'accord. Bon, bah, ça va être très bien. Bon, bah, voilà. Donc, ça fait une mort pour moi. Super. Et le compteur, il est pété. Et bah, à toi de jouer. Vas-y. Hop. Attention, elle va sortir. L'arme qui bloque. Voilà, doucement. Ok, une araignée. Voilà, mais non, mais c'est pas possible. Mais non, mais c'est un truc de fou là! Attends, deux Lucky Black, deux TNT qui m'explosent à la face quoi! C'est un truc de fou! Mais non, mais le décor il est déjà. Mais je suis pas morte hein! Oh! Oui, tout à l'heure, oui, bien sûr, t'inquiète, je ne blurrerai pas bien entendu! Ok, attention, j'en fais péter un! S'il te plaît, ok, de l'obsidienne, ça va! Je préfère de l'obsidienne, hein, franchement! Même une fleur j'accepte, tu vois! C'est pas pire qu'une explosion! Vas-y, à toi de jouer du coup! Alors, qu'est-ce que tu vas obtenir? Attention, elle pose le Lucky Black! Un slime! Si, le slime! Le terrible slime! Ouah! Comment il t'a écrasé, quoi? Laisse tomber, quoi! Sans pitié, quoi! En plus, t'étais coincé en plus, c'est ce que j'ai vu, hein! Oui. Ok, attention, à moi! Un champignon, très bien! Moi, ça me va, moi j'aime bien! Attention, je pète le deuxième! Comme ça, ça sera fait aucun zombie! À toi de jouer! Alors, il t'en reste deux, normalement, hein! Non, il m'en reste plus qu'un! Ah! Oh, ça va! Ça va! En fait, on en a acheté un au passage dans l'autre, c'est. Attention derrière toi! Attention! Devant et derrière! Oh, bon, ça va! Ça va! Alors, du coup, attends, ça te fait deux morts, hein! Ouais. D'accord, et moi j'en suis à deux aussi, voilà, je vais le remarquer. Regarde, deux pour moi, voilà, et toi c'est deux pour toi aussi. Donc, très bien, non parce que apparemment le côté obscur ça pète aussi les systèmes pour avoir le compteur démarre. Mais c'est pas grave, heureusement nous sommes deux pour retenir. Voilà, on va y voir, donc normalement on a les Lucky Blocks. Bon, j'espère quand même qu'on va avoir un peu plus de... Bon, tu me diras, avoir un peu plus de chance dans les Unlucky, c'est relativement rare quand même. Alors, si ça te dérange pas trop, on va se mettre là-bas.
Hein, parce que, c'est pas tout, mais là-bas, c'est déjà envahi. Ah, donc, bah, écoute, on va en péter deux par deux, sans les coller. Hein, parce que sinon, ça risque de poser problème si jamais t'as un truc bien, genre une fontaine ou quoi. Donc, vas-y, je commence. Attention. Ok. Oh, des coffres de laine, il en faut en plus. Allez, attends-toi. Ah, j'aurais pu en péter un deuxième. Attends, je vais péter le deuxième. Ah, oui. Vas-y, attends, vas-y. Merci, merci. Tu es tellement poli. Voilà. Je t'ai bien formé, jeune Padawan. Ah, une épée. Oh, une épée en quoi, en diams? Lucky Sword. Oh, elle est trop bien celle-là. Oh, elle est géniale. Bah, c'est la meilleure épée. Hein, c'est la meilleure épée. Ok, moi j'ai eu de l'obsidienne. Et là, what? Ok, j'ai. T'as vu ça? Regarde, c'est. Comment? Voilà. Donc, il est bizarre, hein, c'est le petit bloc du côté obscur. Hein. À toi, Dieu, du coup. Vas-y, on te regarde. Une pile de Ted. Ouais, c'est ça, une pile de Ted. Ok, du poisson. Du poisson. Et toi qui aimes bien ça en plus, impeccable. J'adore. Et oh, tout des... en bois. Oh, pas terrible. Ouais, bon, du truc en bois, quoi. Ok, à mon tour. Ouais, ouais. Ok, des bibliothèques, très bien. Je vais pouvoir devenir peut-être plus... Oh, attention ah, c'est bon, ah, ça va, c'est du diamant. Non, parce que bon, des fois, t'as de la tête, t'es le... Je vous jure que ça peut avec des yeux explosifs. Hein. Je te jure, c'est possible. Hein. Tous les Lucky Blocks, c'est comme... Oh, la fontaine. Oh. La pépite. Alors, est-ce qu'elle va-t-elle galérer comme d'habitude? Bah oui. Déjà, c'est pas le clic gauche, non, c'est... Ah, non, projeté. Voilà. Waouh. Oh, du diamant, ça. T'as eu du diamant, ça. Fais tout le tour de la fontaine. Fais l'aspirateur, aspire tout. C'était ton premier Lucky Block, là. Après, t'en as un deuxième à péter, là. Oui. Ok, ça roule. Vas-y, on t'attend. Y'en a au-dessus ou pas? Ouais, y'en a au-dessus, ouais. C'est des émeraudes et de l'or. C'est... Ah oui, l'or. Ouais, mais l'or, attends, t'en as peut-être besoin. Tiens, vas-y, voilà, nickel. T'as vu, je t'ai aidé. Hein. Je suis sympathique comme maître. Ouais. Ok, vas-y. Il va être en reste, hein, du coup. Ouais, t'as une... Ah ouais, t'as une épée de James aussi, en plus. Alors, voyons un petit peu. Vas-y, veux voir ce que. Des fleurs, très bien, décidément. Il y en a des fleurs, hein. C'est la deuxième fois que tu le lâches pas. J'en ai eu plein aujourd'hui, des fleurs. Ouais, non, mais là, moi, là, c'est pareil, là-bas. Enfin, là, c'est un truc de fou. Oh, j'ai eu une balise. Je sais plus si on a. Non, je crois que c'est l'étoile du désert qu'il faut. Ah, dommage. Ok, vas-y, à toi de jouer. D'accord, très bien. Ah, t'as eu une potion? Bah, plein de potions différentes. Ah, ouais, on les voyait pas, nous, de loin. Très bien. Non, je veux pas de fleurs. Bon, c'est pas grave. Tant pis, je vais me remettre là. Vas-y, fais péter le deuxième, du coup. Regarde. Ouf, ouais, du stuff pire. Bon, pas terrible, vu tout ce que t'as en plus. Oh, une fiole d'XP. Impeccable. Ah, j'ai mis deux Lucky Blocks. Là, y'a un problème. Vas-y. Oh, ça m'a fait peur, ça. Non, c'est bon. Ok, impeccable. Un bloc de fer. À toi de jouer. Alors, tu peux en péter 3, du coup, parce que j'en ai pété 3. Oh, bloc d'émeraude, t'en as besoin. Ah non, non, pardon, désolé. Je suis désolé, la pauvre joie. C'est un bloc de redstone, je suis désolé. Ah, très bien, de l'appui, ok, pourquoi pas, moi je veux bien. Allez, c'est bon, tu peux continuer. Vas-y. Ouais. Oh, ils sont en short, prends-les. Ah, elle va prendre les trucs sur les côtés. Voilà, à vous, toi aussi, t'as essayé d'éviter, mais franchement, t'aurais pas pu, donc c'est pas grave. Un bloc d'or, bon, ça me permet d'obtenir des lingots d'or, donc pour avoir effectivement des pommes. Ensuite, qu'est-ce que c'est? La bedrock? Ah non, bloc de charbon, d'accord, très bien. Ok, à toi de jouer. Vas-y, continue. Alors, pour le moment, on est toujours à deux morts, on est d'accord. Hein. Ah bah d'accord, trois. Bah voilà, bah super, merci. Suffisait de le dire, bah ça compte pas pour moi. On est d'accord, non, hein. Ça compte pas, hein, voilà. Donc 3 morts pour toi, 2 morts pour moi. Bon, autour de là-bas, il te reste encore un Lucky Block à péter, il me semble. Oh mais attends, attends, vas-y, va là-bas. Attends, je vais vérifier un truc, toi continue d'aller là-bas. Vas-y, fais péter ton Lucky Block et tu me le dis dans l'oreillette. Ce que t'as obtenu, d'accord. Alors attends, je ne peux pas le... Oh, c'est un Lucky Village. Ah, je peux plus lui parler. Bon, c'est pas grave, on lui parlera après. Alors, attends, alors, c'était. Ok, très bien. Un casque pour pas. 17 diamants. T'as eu quoi? Un Lucky Village. Un Lucky Villager, tu veux dire? Parce qu'un Lucky Village, ça ferait grand quand même. Un village entier. Fais voir, il change quoi village. Alors, il donne un casque contre 17 diamants. Ouais. Une petite armure contre 21. Elle explique ça tellement bien. Ouais. Bah ouais, mais tu viens de le faire tomber dans le trou. Non, alors, non, c'est pas moi. Attends, fais voir. Ah ouais, par contre, c'est un peu cher. Non, c'est un peu cher. Franchement, c'est vraiment cher. Il se touche, hein. Ouais, ouais, il se touche, on est d'accord. Ok, vas-y. À toi, c'est encore à toi, c'est ça? Non, c'est à toi, là. Ah ouais, ok, alors attends. What? Une tête. Très bien, super. On est tous contents. Oh, des chiens. Oh, des yanches. Ouais, trop bien, des yanches. Des chiens. Excellent. Voilà, nickel, ils vont venir avec moi. Ok, vas-y, à toi, Jay. Une hache en diam, c'est très bien, ça peut servir, pourquoi pas, après tout. Hein, si on veut se reconvertir en tant que Jedi, en tant que bûcheron. Il faudra que tu fasses de la place dans l'inventaire juste après. Ok, du bois, très bien. À moi, Jay. Vas-y, fais de la place dans ton inventaire, je te dis. What? Vas-y. Ok. Oh, y a trop de trucs. Une potion. Oh là, le keep potion. Ok, est-ce que je garderai pas? Je vais garder ma tenue de rebelle. Oh, y a de l'or, y a des blocs d'or. Ça, c'est bon, ça.
Vas-y, filtre. T'as le temps. Pendant que je nettoie tout ça, ça fait plaisir. Ah là, ça fait plaisir. Voilà, bon, niveau pomme, je vais être bien. Là, je vous le dis tout de suite. Ça va être bien. Ok, attention. Voilà. Ok. Alors, normalement, je crois que j'ai rien oublié. Hein. On est d'accord parce que ça, en fait, ça a refait une autre pyramide. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'était vraiment assez compliqué. À toi de jouer. Vas-y. Qu'est-ce que. Oh, du diams! Oh, j'aurais pas dû faire ici. Bon, ouais, c'est pas grave. Il y en a encore un là, tu vois. Tu t'as plus qu'à sortir. Ouais, t'es coincé. Hein. Oh non! C'est bon, je me suis sauvé. Je crois qu'il y a une enclume au-dessus de moi, il me le semble. Hein. Je suis pas sûr. Ah non, Philippe, il est encore coincé. Ouais, c'est ça, il y a une enclume. Ouais. Tac. Voilà, tranquille. J'ai pu éviter mon piège. Voilà, donc, t'as ramassé tous les diams? Bah je sais pas, je suis dans le trou, alors j'essaie de te remonter. Aïe. Ah oui, moi aussi, voilà. Je suis retombé. les deux guignols, quoi. Voilà, je vais remonter aussi. En plus, moi, il, il est chiant, ce trou. Hein. Voilà, c'est bon, je suis là. Vas-y, tu peux le faire péter un autre. Vas-y, à toi, Joe, Jelita. C'est bon, j'ai rien oublié. Hein. Non, j'ai checké, t'as rien oublié. D'accord. Je t'ai volé un diamant ou deux. Non, je rigole. Ouais. Oh non, encore des fleurs. Décidément, quoi. Ok, attention. Ouh, l'œuf d'Ender Dragon. Et je termine avec le Lucky Pig. Et ok, un stuff en or. Ouais, moi aussi, mais je les ai déjà fait, vas-y. Ok, le ghast. Super. Génial. Attends. Oh, il va. Je crois qu'il. Attends, je vais t'aider. Attends, je vais t'aider. Oh, j'ai failli lui envoyer. Oh non. C'est bon, c'est réglé. Qu'est-ce que t'as eu du coup? Un bloc de fer. Ah, pas mal. Et ensuite, il t'en reste un normalement de Lucky Block. Ouais. Attention, le dernier. De la TNT. Ok, trop bien. Bonjour, le dur. C'est mieux que rien. Alors, normalement. Maintenant, on va récapituler un petit peu tous les Lucky Blocks. Oui, parce que hein, les règles, on n'y explique plus, les amis. Maintenant, vous connaissez très bien les règles du Lucky Block. De toute façon, c'est marqué dans la description, bien sûr. Là, normalement, donc Chunida est mort 3 fois. Donc, tu as le droit à 7 Very Lucky Blocks qui sont dans le grand coffre, qui sont là. T'es bien, attention, mes chiens, attention. Et moi, j'ai le droit à 8, hein, si j'ai pas de bêtises. Et je vais jeter. Ça, je jette. Ça, c'est pareil. Ça, je vais pas avoir besoin. J'aurai là, je vois de quoi jeter autre chose. Voilà, très bien. Oui, je peux pas les prendre, moi. Donc, faut que jette des trucs. Ouais, vas-y, jette des trucs. Tac, impeccable. L'armure, ça jette. La balise, je la garde. Ça, je le jette. Ouais. Ça, c'est pareil. Hop. Non, je ne veux pas faire une sauvegarde. Voilà. Et puis, c'est bon. J'ai pas pris de bloc. Voilà. Ok. Alors, moi, je vais prendre mes 8 Very Lucky Blocks. C'est bon, je les ai. Je t'attends. Normalement, il te reste 7 à prendre. Enfin, tous ceux que tu dois prendre, en fait. Voilà. Oui, donc, voilà. Ça va, tu t'arrives à faire le tri quand même? C'est bon. Tu t'es fait un petit trou et tout tranquille. Impeccable. Impeccable. Voilà. Bon. Et ben je vais mettre. J'ai le choix entre le trou, le slime et. Le problème c'est que s'il y a Bob et Maurice. On va se mettre là. On va rester là près de l'arène. Non mais l'arène. Hein. En fait, on croyait que l'Empire. Hein, ou le Premier Ordre. Hein, bon, ça dépend de la génération. Hein, bien sûr. Allait causer vraiment des dégâts incroyables sur notre décor. Mais c'est plus nous en fait qui avons fait ça. Ok, donc. Et ben Fiolita, à toi l'honneur de péter tes Very Lucky Blocks. Et moi je vais cligner après. Tu les fais tous, hein, mais un par un quand même, histoire que... Ah d'accord, tu le mets là. Un coffre. Ouh, il y a quoi dedans? Il y a du diamant. Ça va! Tu t'es mis bien. Là, tu t'es mis bien, là. Il y a des émeraudes. Il y a deux Lucky Blocks aussi. Et il y a deux Lucky. Pas mal! Et bah vas-y, continue! Oh, tu regardes! Mais non, viens là. Non, tu vas pas changer de maître parce qu'elle a plus de Lucky Blocks, quand même. Ok, vas-y, à toi de jouer. Vas-y, Fiorita. Attends, oh, wow, pas terrible. Pas terrible, désolé de te le dire. Bon, Stéphaneur... Oh, un bloc de... Je croyais que t'allais mourir avec... Ah oh, mais non, mais il est bête ou quoi, lui? Mais non! Va pas dessus! Oh là 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 là. Oh bah, il doit pas mal, du coup. Pourquoi tu l'as tapé? Mais non, mais pour éteindre... Mais pour l'éteindre, c'est pas avec une hache. Mais ça compte pas, je te rassure, ça compte pas. T'as voulu l'étendre avec une hache aussi. Normalement c'est pas assez logique quoi. Vas-y, va prendre ton bloc de diams. Va prendre ton bloc de diams. N'importe quoi. Je te jure, cette équipe de bras cassés quoi. Vous avez envoyé les Jedi? Oui. Vous avez envoyé lesquels? Eh bah Fionita Fion Jumper. Ah eux. Bon bah on est pas dans la merde. On va évacuer la planète hein, parce que l'étoile de la mort elle sera jamais détruite hein. Vas-y, à toi Jay. Vas-y, tu peux continuer, franchement continue, enchaîne tout. Ah d'accord. Voilà, c'est ça, tu enchaînes tout. What the fuck? C'est un sabre laser. Attends. Oui, c'est un vrai sabre. Attends, je vais monter. Je vais te faire descendre ton bloc de redstone. Regarde, t'as un bloc de redstone. Eh, ça vaut des diams, hein. Moi, je dis, on est bien. Ouais, attention, attrape-le. Il est tombé, hein. Il est où? Il est là.
Non, là, ici, là, oui, non, non, encore le tour, voilà, là, voilà, c'est bon, ok. Elle a réussi, c'est bon. Oh, il y a Blackdown aussi, attends. Oh, j'ai plus qu'à remonter, quoi. J'utilise tous les logs de charbon pour toi, non mais, quelle chance tu as. Attention. Ouh. Ah bah, je l'ai pris, désolé. Non, je rigole, tiens, je te le redonne. Il est derrière toi, allez, là, voilà, c'est bon, nickel, ok. Tu peux continuer, du coup, Fionita, vas-y. Bon, écoute, je vais en péter un côté, moi, pour l'instant. Ouais, voilà, voilà. Qu'est-ce que... What? Une pousse? J'ai jamais vu ça, je crois. Ah, mais okay. Ça, on s'en fout, c'est nul. De quoi? La redstone? Mais non, j'ai encore eu des trucs en or. Ah ouais? Oh, ton arrêt de chien. Ça, c'est bien, ça. What? Qu'est-ce que c'est? Light blue. Ok, superbe. Oh, une selle! Ça, c'est bien, par contre, la selle. Ok, à toi de jouer. Continue. Bah, de toute façon, je joue. Ah, une canne à pêche. Une canne à pêche. Ok, oh, Steph Diams. Bon, honnêtement, j'en ai pas besoin. Une épée encore. Une épée encore en Diams? Bah ouais, allez. Encore. Le Lucky Block Block. Lucky très bien. Sword. La Lucky Sword. Très bien. Oh, ouais, Steph Fair. Ah, j'ai vu que tu as eu de l'XP. Bien joué. Attention. Ouais. Ok, super. Sage. Ok, c'était quoi ce bruitage? C'était une manière de dire que tu as eu de l'XP, c'est ça? Voilà, ouais, et une canne à pêche. Bon, je le prends même pas, c'est même pas la peine. Ok, moi j'ai fini. Ah bah, toi, bah, déjà là. Parfait. Bon, bah, écoutez, les amis, avec tout ce qu'on a là, on va tout de suite aller trade avec Bob et Maurice. On vous reprend, bien entendu, dès qu'on a terminé tout ça, les gars, tout de suite. Et ça y est, les amis, nous sommes désormais des véritables Jedi. Regardez, à ma ceinture, j'ai mon sabre laser. Et Violetta aussi. Voilà, oh, tellement stylé. Joli sabre violet. Et Maître Windu serait tellement content de toi. Ok, donc, voyons voir. Donc, j'ai mis le Jedi Robe avec Protection 10. On avait vraiment pas mal de choses, hein, comme vous l'avez vu. Ah, donc, on a échangé avec Maurice et Bob, bien entendu. Et par contre, regardez cette potion, cette Lucky Potion du côté obscur. C'est-à-dire, regardez, elle est complètement maléfique, quoi. T'as lenteur, dégâts instantanés, nausées, enfin, vraiment que des mauvais trucs. Donc, attends deux secondes, je vais la jeter. Est-ce que tu es prête, toi? Ouais. Ok, alors, attends, deux minutes, ça, je jette. Ça aussi. Voilà. Ça, non, on va plutôt se battre avec le sabre laser. J'ai le blaster aussi, d'ailleurs, qui fait des bruitages, regardez. Trop stylé, avec la surchauffe et tout. Le sabre laser. Que je vais, hop, que je vais rentrer aussi également, que je peux ressortir. Voilà, donc, je suis prêt. Et toi aussi. Et on a des pommes cheat, on est bien. Donc, est-ce que tu... Attends, je vais rentrer. C'est pour faire vraiment, tu vois ce que je vais dire, tu vois, Jedi. Mais moi, j'arrive pas. C'est sneak, clic droit. Ah oui, sneak. Voilà. Tu n'as pas appris ça à l'académie? Non, mais si je fais du sneak, je vais pas y arriver. Ok, est-ce que tu es prête à aller affronter un Sith? Ouais. Ton entraînement est terminé, alors. Donc, ça va vraiment être un truc de dingue. Vraiment, franchement, je te conseille vraiment de prendre une pawn sheet, si c'est possible. Une seule, ça suffit, ça. Est-ce que je prends des œufs ou pas? Les œufs? Ah oui, prends des œufs, oui, prends les œufs. Oui. Mais non, tu vas lui jeter des œufs. Ouais, c'est fini les sabres laser. Maintenant, c'est les œufs. Alors attends, je sors mon sabre. Comme ça. Et écoute, donc je vais manger une pomme. T'as des œufs avec toi, du coup, dans ton inventaire pour pouvoir les faire spawn? Oui. Ok. Alors attention, ils sont vraiment très violents. Donc on va en faire spawn un déjà d'une. On est d'accord, je vais le mettre bien à côté. Alors le blaster, c'est vraiment, il n'y a aucune balle, hein, c'est logique, hein, en même temps. Mais voilà, il y a une surchauffe, donc fais gaffe. Donc, eh ben écoute, quand tu es prête, tu me dis. Elle est stressée là, elle est stressée parce qu'elle a pas vu à quoi il ressemble. D'habitude, elle sait à quoi ça ressemble là. C'est moi qui fais spawn. Non, chacun un, ouais, c'est ça, chacun un. D'accord. C'est parti. Un, deux, trois. On y va à l'attaque. À l'attaque. À l'attaque. Ouais, c'est bon, je l'ai eu. Vas-y, vas-y, Violetta. Vas-y, mon Padawan. Tu peux y arriver. Oh, ce combat. Ce combat épique. Attention. Voilà, c'est bon, tu l'as eu. Yes. Tu as absorbé. En fait, il est chiant, il tourne autour de moi. Ouais, bah ouais, bah il sait se battre, quoi. Il va pas rester, tu sais, genre. Ah. Oh, dis donc, aïe, ah, ça fait mal. C'est dur d'être un Jedi. Non, mais c'est vrai. Bon, voilà, t'as compris. Voilà, il fait uniquement ça. Alors, attention, ça peut lui arriver s'il est très loin de balancer son sabre. Eh oui, carrément, hein, tu vois, c'est vraiment. Ouais, non, mais c'est trop bien, c'est génial. Franchement, c'est excellent, quoi. Ah, même pour les fans de Star Wars et de Minecraft, là vous devez être comblés, en tout cas, pour, tu vois. Voilà, donc, eh ben écoute, est-ce que tu es prête maintenant pour deux sites? Oh, deux, ouais. Ah, ouais, déjà, hein, alors mange toujours ta pomme, hein. Allez, attention. Bye. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Ah, j'arrive. En plus, ils ont le sabre de Kylo Ren. Ça serait Kylo Ren, vous croyez? C'est peut-être lui qu'on appelle. Ah non, il avait pas. L'autre, il en avait pas. Ça va, tu t'en sors? Il fait 3 en plus. Ouah, t'en as fait 3. Je vais attendre. Ah, c'est bon, il a disparu.
Elle est en train de péter les tapis, mes tapis, mes beaux tapis. Attention. Mais en fait, il y a aussi Kylo Ren. J'ai l'impression... Oh là là, oh. Non. Elle est morte. Non. Comme dirait Darth Vader. Oh non. Oh non, c'est dommage. Je ne pensais pas que tu l'aies. Que tu es... Mais bon, je comprends. Ce combat a été trop dur pour toi. Voilà, je suis à t'aider avec mes cuisses de poulet, du coup. Est-ce que tu veux te mettre en game mode pour me voir assister encore à des combats? Oui. Allez, vas-y, mets-toi en game mode. Ah, parce que sinon, tu vas mourir. Hein. Tu vas y arriver? T'as eu la question. Ah, c'est bon, lié, ça y est, ok. Non, t'aurais pu me le dire, quand même. Tu vas laisser galérer. Oh. Attention. Ah, est-ce que tu peux me faire spawn, du coup, les sites? Enfin, pas si haut, bien sûr, hein, faut descendre. Hein. Ah, la colle, ça nickel. Merci beaucoup. Donc, tu m'en fais spawn 3, d'accord? Ok. Oh, waouh! Oh, prenez ça! Un coup de blaster, ça fait mal! Et venez vous battre! Oh là là, y'en a trop! Oh là 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 là! Je l'ai jeté! Je suis un maître ah Jedi! Oui, jette leur sable! Ouais, je te l'ai dit, jette leur sable, c'est stylé! Ouais. Y'en a, ils ont le sable de Kylo Ren, alors je me demande s'il y a pas Kylo Ren dans le tas quand même. Ok! Ah, vas-y, vas-y, fais-en 4 maintenant. Bon, je m'appelle. Je suis prêt à les affronter. Attention. 1, 2, 3. Allez, 4. Waouh. 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 Doucement. Il a trop. Oh non. Ça fait mal. Ça fait mal. Ok, c'est bon. Venez vous battre. Ah. Oh, il a un sabre. Oh, il a un sabre noir. C'est trop stylé. Ok. C'est bon, je l'ai eu. Et c'est bon. Yes. Dis donc. Bravo! Eh, Luke Skywalker m'a bien formé! Allez, vas-y, pour une fois que je suis du côté de la force. J'ai un tapis si tu veux. Non, merci, non, ça risque d'être bizarre comme combat. Vas-y! Allez, allez 5! 1, 2, 3, oh là là. 4, oh là là. 5. Ok, allez, on change. Non, ça fait mal! Ils m'ont coincé! Ouais, c'est bon. Ouais. Je fuis. Faut fuir. Allez! Allez, le laser! Enfin, le blaster! Ah, c'est bon! Ça va, ok. Un de moins. Oh là là. Ils sont vraiment trop puissants. Non. Mourez. Allez. C'est bon, oui. Wouh. Oh, c'est chaud. Et elle est invincible, cette robe. Hein. Bon, il y a un moment, je vais y passer, hein, je te le dis. Ok, vas-y. Encore un. 1, 2, 3, 4. Oh là là. Oh non, là, c'est terrible. Heureusement que j'ai la régène. Heureusement qu'il y a la régène. Allez. Mourez. Alors moi. Ok. Oh, il y avait Kylo Ren. Voilà, c'est bon. C'est bon, Fiolita. Maintenant, tu en fais spawn 10. 10? Oui, 10. Vous avez bien dit 10? Oui, 10. Allez, vas-y, 10. 1, 2, 3. Oh, que ça allait faire reculer quand même. Six, ah, vous connaissez six, pas l'arc, hein? 9. Et 10. Oh non, j'aurais pas dû sortir là. Du. Oh là là. Oh là là, trop. Il y en a trop. Ok. Oh, ça fait mal. J'ai encore. Ok, c'est bon, j'ai résistance encore. Allez. Oh non, une pomme. C'est bon. Prenez ça. Oh là, il y a tellement de bruit de sabre laser. Ça y est. Non. Sale site. Mouais. Je ne rejoindrai pas le côté obscur. C'est bon. Oui. Allez, maintenant, va. C'est genre le Jedi invincible, quoi. Allez, voyez. Ouais, bah, alors là, je vais mourir. Là, c'est sûr. Là, c'est fini, là. Oui, il y a une flèche, oui. Ok. Oula. Prenez ça. Oh là, il y en a trop. Là, c'est mort. C'est bon! Yoda, aide-moi! Ah! Il y en a trop! Oh, c'est pas vrai! Prends ça! Oh, j'aurais dû ramener des bombes là! Oh, j'aurais dû avoir des grenades thermiques! Ah, il y en a trop! Au secours! Oh, j'ai trop du mal à les gérer là! Ah, ouais, non, mais là, c'est. C'est même plus, attends! Oh, c'est pas vrai! Oh, je vais mourir. Oh, je vais mourir. Je vais avoir un blaster, sinon... Là, c'est trop chaud. Ah, ça va être trop chaud. Ah.
Il y en a trop. On y retourne. Ah non, on y retourne pas. Oh, oh. Ah non. Mais non, il y en a trop de sable sur moi, là. Mais non. Oh, heureusement que j'ai le blaster, hein. Oh, je peux pas les approcher, je peux pas les approcher. Tiens. Oh non, 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 non. Je dis, t'as ce que tu crois en moi. Oui. Allez. Oh, j'ai plus le blaster. J'ai pété mon blaster. Là c'est mort. Oh c'est mort, là c'est mort. Oh c'est foutu. C'est foutu. Mais de pas ma dernière pomme. Allez, allez. Oh là, non, je prends trop cher là. Là je prends trop cher. Et je peux pas quitter le combat. Oh non, ça y est. Oh là là, ils ont triomphé. Ok, Fiolita, est-ce que tu es prête maintenant pour le duel final? Alors juste avant, vous avez vu, il y a une ellipse, j'y ai fait. Bon maintenant on va faire un duel 1v1. Elle a fait, oh non. Je vais mourir. Elle est tellement blasée. Oh non, pourquoi? En plus, c'est pas juste, t'es le maître Jedi, toi. Ça ne veut rien dire. L'apprenti peut dépasser le... What? Maître. T'avais une potion d'invisibilité? Bon, le problème, c'est que je vois ta cape, donc il faut enlever ta cape. Hein. La vois, j'ai ces petites potions. Enlève... Si t'enlèves ta cape, bon, tu vas prendre cher. Donc, est-ce que tu veux te battre? Ah. D'accord. Et toi, tu veux te battre? Ouais, il y a un sabre devant moi. Allez, vas-y, viens. Oh, j'ai le dos. Oh, what? What the fuck? Ah non, je dis non, là. J'avais une potion de force. Mais non, elle m'a poutré. Et ben voilà, l'apprenti a dépassé le maître. Voilà. Faites la révérence à votre seigneur. Ah, tu vas mourir. Et voilà, j'ai tué un sabre laser. Et ben voilà, les amis. C'est tout pour le Lucky Black Challenge spécial Star Wars. Alors oui, il aurait été très spécial là, celui-là pour le coup. Vous avez vu, il y a un petit côté, un petit peu RP, bien entendu, bien sûr. On espère en tout cas qu'il vous aura plu. Si vous aimez Star Wars et si vous aimez le Lucky Black Challenge, là, ça va aller ou quoi? Vous avez dû sûrement kiffer cet épisode. Si c'est le cas, les amis, n'hésitez pas à bombarder cette barre de like pour cet incroyable Lucky Black Challenge. Et surtout, une fois de plus, pour le retour du Lucky Black Challenge, bien sûr. On espère que ça vous aura plu. On espère qu'en tout cas... ça vous a fait super plaisir qu'il y ait 3 vidéos aujourd'hui. Donc normalement il y en a une autre après. Ou alors celle-là elle est sortie après les 2. Enfin vous voyez, enfin bref, en tout cas il y aura 3 vidéos aujourd'hui pour votre plaisir. Voilà, rien que pour vous les amis. Donc voilà, donc merci beaucoup les amis. Surtout n'hésitez pas aussi également à aller faire un petit tour sur la chaîne de Fionita Viral. Fait de la beauté et tout, tu vois, c'est magnifique. Oui, et des fois j'apparais même c'est pas du jeu. Ouais voilà, mais j'apparais même des fois dans ces vidéos, donc n'hésite pas à aller jeter un oeil, ça sera, tout sera bien sûr dans la description, ou alors tu tapes Fionita, tu vas la trouver direct, ou Fiomini, enfin voilà. En tout cas, merci beaucoup les amis, c'était The Jumper et Fionita, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ainsi que vous abonner aux deux chaînes, et on vous dit à très bientôt, salut les amis.